Et bonjour à tous, bienvenue du coup sur Matinée Posée. On est ici sur Secret War Legend. On continue Secret War Legend. Hein. Mon but étant d'essayer de faire un peu toutes les quêtes ou montrer vraiment l'ensemble du jeu. Enfin, je n'ai pas montré depuis le début parce que c'est sur une partie en cours, mais on n'est pas très loin du début. Donc voilà. On va. Du coup, comme expliqué sur le Discord de Press F5, je vais commencer d'abord par une première mission, une mission dite d'action, et ensuite on fera une mission de d'investigation. Voilà. Ok. Je vais vérifier que tout soit ok. Ok. Je vais vérifier que tout soit ok. Par exemple, ne pas m'entendre en double. Ouais, c'est pas mal. Tac, voilà. Et là, on est bon. Bip, 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 bip. Et oui, c'est parfait. Ok. Donc, on va commencer. Donc, nul ne sera souillé. Cette opération d'Orochi a été compromise. Les employés du groupe n'ayant plus les moyens de maintenir leur cobaye enfermé, retrouvez le sujet zéro et découvrez-en davantage sur les recherches sournoises qu'Orochi mène sur l'île. We have a host of employees. I can't know every one of them by name. I do, however, know that you are not one of them. These encoded transmissions you've been sending back to your little club. It's been educational. You forgot who owns the networks, who created the cryptography. You are trespassing. You are in violation of contracts signed in blood. You are breaking binding agreements made in Venice. The Council tends to frown upon such things. As do I. And I am both less forgiving than the Council, and much better armed. But I'm also a reasonable man. It doesn't have to become ugly. Shall I continue? This operation is officially a liability, and I am soon terminating it. But that leaves me with an embarrassing problem. And unless this problem is handled quickly and carefully, it will become your problem. This pertains to the containment of the so-called Subject Zero. You've already stolen enough sensitive information from me to appreciate what is involved. Deal with it. And we never had this conversation. Nor would you feel its repercussions. I truly couldn't make a fairer offer. Ok, donc là, assez intéressant, c'est que d'habitude les missions qu'on donne, c'est par le biais d'un PNJ à qui on parle, il y a une petite cinématique et tout. Là, c'est carrément une discussion sur Skype qui te dit, ouais, ben en fait, c'est mignon ce que t'as envoyé à tes potes, mais bah, tu risques gros, donc t'as intérêt à m'aider pour cette mission. Voilà. Donc, le sujet zéro était le point focal des expériences du groupe Orochi sur l'île. Découvrez quelle était la nature. Donc, non, si, non, c'est bon. Bref. Découvrez quelle était la nature exacte de ces expériences et faites le nécessaire pour contenir la menace. Donc, utilisez un terminal proche pour déterminer où se trouve le sujet zéro. Donc, on va utiliser l'ordinateur d'Orochi. Voilà, on va s'y connecter. On va faire exposition physique données brutes. On va voir ce qu'il y a dedans. Les sujets exposés physiquement ont un taux de mortalité de 51%, soit 49% de survivants, 98%. Ça, on l'avait déjà lu la dernière fois sur le dernier live, donc ce ne nous intéresse pas. On va revenir à la racine. Exposition à la source aérienne, données brutes. Peut-être là. Incomplet. Non. Il n'y a rien d'autre. Oh. Un petit freeze chelou. Alors, utiliser un terminal. Et ça, c'est. Qu'est-ce que c'est que cette caméra? Est-ce qu'on a intérêt à l'utiliser? Non.
Alors attends, où je suis? Je suis là. Ah, il me suggère d'utiliser un autre terminal. Attends, 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 attends. Il est où ce terminal là? Ah, ok. D'accord, ok. En fait, c'est un des terminals là que je décide plutôt que l'ordinateur. Ok. Alors, je sais pas si c'est le fait que j'ai mis tout le jeu en minimum terme visuel, graphique. Je suis obligé de le faire d'ailleurs pour le stream parce que sinon le jeu il a une latence de fou aussi bien de mon côté qu'en plus et encore plus amplifié du côté live. Donc voilà. Terminal de recherche de recherche en ligne, sélectionnez votre recherche, sujet 0. Voilà. Saisissez aide pour obtenir la liste des instructions disponibles, saisissez quitter pour sortir. Ouais, on va saisir 1 pour sujet 0. Vrai nom inconnu, origine du sujet Tokyo, zone d'étude, variation dans la souillure et les effets de la souillure localisée sur les sujets infectés en d'autres lieux. Log d'observation, arrivée 24h, 48h, ils sont. Ok, donc on va voir le premier log. Le sujet était léthargique à son arrivée. Sans doute subissait-il encore les effets du long vol et des produits chimiques qui lui avaient été injectés. Au bout de quelques heures, il s'est mis à s'agiter vivement, en prononçant des paroles incompréhensibles en japonais. J'ai envoyé l'enregistrement en traduction et j'attends toujours son retour. On va saisir une racine. Après 24 heures, le sujet a retrouvé ses esprits. Il a passé plusieurs heures à essayer de défoncer la vitre et à hurler des obscénités en japonais. Les seuls moments où il fait preuve d'un minimum de lucidité, c'est quand le vent vient du sud-ouest. À ce moment-là, il tend l'oreille dans cette direction, comme s'il écoutait quelque chose. Il n'y a pas grand-chose par là-bas, exception faite de la carrière. Ok. Et au bout de 48 heures, le sujet est de plus en plus agité. On ne lui a donné ni à boire ni à manger, mais il semble de plus en plus fort. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il commence à baragouiner en anglais. Or, le dossier que nous avons sur lui mentionne que cette langue est censée lui être inconnue. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose lui parlait directement pour lui apprendre l'anglais. Les applications de la souillure dans la vie de tous les jours pourraient être incroyables s'il était possible d'en contrer les effets néfastes. Alors, allez. Par moments, le sujet continue de se tourner vers le sud-ouest et de remuer les lèvres silencieusement, comme s'il répétait dans sa tête ce que lui dit une voix qu'il est le seul à entendre. Nous avons perdu le contact avec ton équipe de la carrière. Peut-être le sujet a-t-il la faculté de sentir les événements occultes. Ok. Voyons voir. Donc. Voilà. C'est enfui. Il n'y a rien. Il était censé avoir quelque chose ou... Ok. Donc il s'est enfui, il se passe rien. Voilà. C'est rigolo, tu peux taper quitter à n'importe quel moment sur le terminal et ça le quitte, c'est génial. Donc il est à la carrière. Bon, on va pas se faire yesh, on va se téléporter, on va faire un petit saut d'anima, tout simplement. On va voir juste ce que l'a dit la phase 1, bah c'est bon. Le sujet 0 était le point focal d'expérience. Ok, donc on va aller hop ici. Voilà, ce sera beaucoup plus simple pour se balader. Bon, il y a des ennemis un peu partout. Je pense qu'on va devoir malgré tout se les faire en pleine partie. Carrière.
Chercher le sujet 0 parmi les personnes. Cliquons dessus. Phase 2. La carrière n'est plus de ce monde et il est fort probable que le sujet 0 non plus. Chercher des signes de son existence parmi les Tismer Elris prisonniers. L'un d'eux pourra peut-être vous donner un indice. Là, je suis censé voir s'il y a un moment un drop sur un des ennemis. On va voir même à l'intérieur. Bonjour. Ça, c'est fait. Là-dedans, il n'y a rien. Là, c'est fermé. Ok, ok. Ça, c'est fait. Ensuite. Ah, je peux attaquer la patate. Ah ouais. Non, moi je vais attaquer tout là, c'est pas possible. On va se faire tout là. Salut toi. Alors, voyons voir. Ok. Est-ce qu'on peut attaquer? Ah, on peut aussi attaquer celui-là. Ouais. Bah, si j'attaque celui-là, probablement que ça va faire quelque chose. Non? Il n'y en a pas encore. Ah, il y en a encore un là-bas. J'avais pas vu. Voilà. Oh, sujet 0, bonjour. T'as une sale gueule, hein. T'inquiète. Bientôt, c'est tout sera fini. Allez, bisous. Bah, du coup, là, je l'ai trouvé, je l'ai fumé. Mais alors, chercher le sujet. Mais il était là. Je comprends pas. La quête est buggée. Je viens de battre le sujet 0. Tu veux quoi de plus? Oh, du lore. Avec un petit boss. Ah, un petit boss. Un boss. J'ai pas encore fait en plus. Ouais. Ça, c'est fait. Là, ça m'amène à. Oh, il me reste plus que deux. Trop bien. On récupère le morceau de lore. Ça, c'est fait. Tac, on prend ça. Et du coup, bah, je fais quoi là? Moi j'ai battu le. Peut-être c'était pas voulu hein, que je fasse ça trop vite. Ah,
fait, je pense que j'ai fait ça trop rapidement parce que si ça se trouve, ça c'était la phase 3 du. Salut Harry Wally! Là, c'est pas mal là, j'utilise un nouveau. J'utilise plus le truc Twitch pour le chat, hein. J'utilise Twitch chat. Et c'est pas mal. Donc faut peut-être que effectivement j'attaque les pâtisseries, je regarde avec les petits amis. Donc ça va, t'es venu encore à temps parce qu'on n'a pas encore commencé la mission d'investigation, là on est sur la mission d'action. Ouais, t'inquiète. Okay. Là c'est juste la bête mission, mais en fait souvent c'est pas une vérité absolue, mais souvent les missions d'investigation sont précédées d'une mission d'action qui introduit un petit peu ce qu'on où on pourrait potentiellement faire des recherches. En tout cas, j'ai jamais fait une mission d'investigation toute seule. Il me semble qu'à chaque fois il y avait au moins une mission d'action avant. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre. Ils disent de regarder parmi les prisonniers, mais. Ou alors, peut-être que la quête est buggée, hein, ça c'est possible encore. Tac. C'est. Ce serait possible. C'est pas, ça peut pas être par là puisque faut que je reste dans la zone. Ah, parce que là j'ai fumé un peu tout le monde donc. Ah, on fait du bruit celui-là. Relire des fois dessus. Rechercher le usage zéro parmi les prisonniers. Chercher des signes de son existence parmi les Tismer Elris prisonniers. Tismer Elris, mais elle n'est pas prisonnière, donc je comprends pas trop. Et surtout qu'en plus, là, j'ai combattu le sujet zéro. C'est ça qui est très très. Tismer Elris, Tismer Elris. Ouais, mais c'est. Ah, ça, c'est des esclaves, peut-être. Bon là j'ai débloqué une mission quotidienne de buter un certain nombre d'ennemis, c'est cool. Ou pas. C'est peut-être trop bête hein, pour la mission. Hein. Alors, vous imaginez quand même, j'arrive pas à faire une mission d'action, alors t'imagines la mission d'investigation. Ah. Voilà. Vérifier le PDA d'Orochi. Voilà, on y arrive. Enfin. Voyons. Fais signe aux hélicos noirs. Et ouais, bande de fumée, je vis là-haut, au pays des tentacules. Repérer la trace du sujet zéro au centre de la carrière. Et ça a l'air moche, le centre de la carrière. J'attends des renforts qui n'arriveront jamais. Crois pas que zéro ressortira. Ma combinaison est foutue depuis des heures. Le plus marrant, c'est que la souillure a un arrière-goût de soda light. Quelle façon de tirer sa révérence, pas de barreau d'honneur, juste jouer au solitaire en attendant que l'infection prenne le dessus. La traduction est vraiment très bonne, hein. Moi j'aime bien. Ok, détruisez les points de la Bogner pour accéder au sujet 0. Voilà, vu que je l'ai fait juste avant, je sais ce qu'il faut faire. Hop. Hop. Donc là ça se voit pas, mais en fait il tire une boule de feu, mais en fait vu que je sais pas, ça a que 500 points de vie, bah, la boule de feu on n'a même pas le temps de la voir arriver. Voilà. Et le sujet 0 il arrive.
Voilà. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai... J'étais un poil trop rapide. Et voilà! Nul ne sera souillé. Voilà. Ça, j'ai réussi. Remplir toutes les missions d'action, sabotage. Ah, il me reste quand même pas mal, hein, des missions d'action. 2, 4, 6, 7. Les missions d'investigation, il y en a 3. Ah, mais ça, c'est la montagne bleue. Oui, c'est ça. Ouais, ok. Et du coup, je vais en faire une des deux. Ok, donc on va envoyer le rapport. Votre appétit de justice et de vérité est décidément insatiable. Essayez toutefois de ne pas avaler trop facilement ce que le groupe Orochi pourrait essayer de vous faire gober. Si vous voulez une autre façon de voir les choses, Sicoine, une filiale d'Orochi, extrait du pétrole, tandis que Zagon, une autre filiale du groupe, produit des aliments pour bébés. Et pourtant, je sais de source sûre qu'à un certain point de la chaîne, toutes deux utilisent les mêmes réseaux de traitement. J'aimerais beaucoup pouvoir vous divulguer d'autres rumeurs concernant Orochi, mais là, je suis un gentleman. Et je dois dire qu'il est des jours où il est bien difficile de concilier les deux. Ok, donc ça c'est fait. Donc on va retourner alors, au plus rapide, ce serait comme ça. On va faire une petite téléportation. Voilà. Donc là, c'était voilà, histoire de se remettre un peu en chauffe. Sur le jeu, sur le lore, tout ça, avant d'attaquer la mission d'investigation. Donc là, on y va. Alors du coup, je ne sais pas du tout ce qui va retourner de cette mission, mais je me suis équipé. J'ai pris tout ce qu'il fallait avec moi. J'ai un livre de recettes, enfin un livre de comment apprécier correctement le thé. Ah zut! Là, je me fais jamais avoir par ces machins. Il fallait que je me fasse avoir quand je veux aller faire la mission. Donc j'ai pris le thé, c'est pas sorcier, hein, pour savoir des fois comment le temps d'infusion d'un thé, s'il y a une question là-dessus. J'ai pris l'échiquier du mal, qui est un très bon bouquin. Et surtout, j'ai pris Dune, le premier, parce qu'il faut des fois qu'il y ait besoin de savoir ce qui se passe à la page 52, ligne 3 de Dune, ce que Paul Atreides nous dit. Ben voilà. Il faut être équipé. Voilà. Tac, on peut rentrer. Évidemment, c'est parfaitement absurde ce que je dis. Alors, gagnant-gagnant. Les employés d'Orochi font l'objet d'une surveillance de tous les instants. Les chances qu'il y ait des taupes dans leur rang sont donc faibles, mais ce n'est pas impossible. Intéressez-vous aux problèmes que le groupe semble avoir et ce. Et ce faisant, apprenez-en davantage sur leur organisation. Thank you. I mean it. You've done the world a favor, but you have also done me one, and I don't easily forget. I have a very long memory. This is why I typically offer payback of some sort, but I tend to not play by the rules. Instead, I'll simply ask you for another favor. In the process of doing me this favor, however, you will be able to extract certain information from our networks that may please your overlords. Ouais, Pixel aussi, il veut jouer. The wheels, I find. Yeah. I won't wait for an answer. We're both too proud for that. But you may find that you have in your possessions the tools to dig deeper. And X marks the spot. Things are amiss in our little outpost. I could just have all personnel extracted and the camp itself leveled in minutes. But I am curious. If it's someone from the outside, fine. We'll find a way to crush them. But if it's an inside job... Feel free to send the information to your superiors. But you will CC me. In return, I'll offer you my insights. My very thorough insights. It really is one of those when type scenarios. Reste couché, ma grande. Ok, donc là en fait, en plus c'est intéressant parce que vu que la mission était juste après, ça fait une continuité sur le dialogue qu'on a eu avant avec ce monsieur. Donc voilà.
toujours faire les missions dans l'ordre qui sont mis, parce que sinon après ça peut... On peut rien y comprendre. Alors elle est que en trois phases cette mission d'investigation. Ça n'a pas l'air d'être une grosse, grosse mission d'investigation. Alors pourquoi, je n'en sais rien. Un pixel, il me faut l'accès à mes mains, ma grande. Je veux bien te donner des câlins, mais voilà. Vous ne devez rien au groupe Orochi, mais la possibilité d'extraire des informations sensibles de son réseau est extrêmement alléchante. Cela vaut bien la peine de mener votre petite enquête. Allez au terminal de communication. Allez, pousse-toi, ma grande. Où est-on? À cause de toi. On va pas à cause de toi. On est parti à cause de toi. Tu restes là-bas? Hein? Tu sais plus où tu veux aller, hein? Vas-y. Laisse le micro tranquille, j'ai dit. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être Kalini, hein? Ok. Kalini, arrête avec le micro. Laisse-le tranquille. Je pense que les gens vont entendre des mroum-mroum là. Laisse le micro. Laisse le micro. Je suis désolé. Pixel raid le stream, exactement. Pixel, elle carry le stream. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est ça? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les phases, du coup, dans la mission d'investigation, c'est ça dont je me souviens, c'est que une phase, ça veut pas dire tu fais ça et tu passes à la phase suivante. Il y a quand même beaucoup plus que dans les autres missions. Donc, pirater le terminal et chercher des signes d'activité. Ok? Voyons voir. Accès. Alors, erreur. Impossible d'accéder au satellite de communication d'Orochi. Ok. Ok, donc là, pour pouvoir accéder au satellite de communication, il faut que je fasse soit une interprétation de scénario logique abstrait, ou soit basée sur la ligne d'instruction. D'accord. On va faire la première chose. Séquence logique de base. C'est ici les coordonnées, la coordonnée logique suivante. Ouais, donc ça, voilà. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui va que le jeu peut te faire. Attends, je vais juste voir l'autre possibilité. Ah. Je vais juste faire quitter, on va réouvrir. Donc là, par exemple, c'est un truc de maths. Trouver la séquence logique suivante. Mais on va d'abord voir la deuxième, basée sur la ligne d'instruction. Accès manuel autorisé. Possible exploitation de privilèges par le pastebin du responsable informatique. Accès via comsat.term.entry en tant qu'invité suggéré. Saisissez outils pour voir les utilitaires disponibles pendant la prise de contrôle manuel. On va voir. Ah, il n'y en a pas. D'accord. Comsat.term. Accès via comsat.term.entry. Alors, est-ce qu'on a le navigateur? Ah, on a le navigateur internet du jeu. Cependant, il n'a pas l'air de fonctionner bien. Alors, on va faire. Attends, vous savez quoi? On va juste vérifier quand même qu'il fonctionne le navigateur internet. Vache. Non, j'ai l'impression qu'il veut pas. Attends. On va réessayer. Parce qu'en fait, il y a un navigateur internet dans le jeu. Cependant, c'est que le jeu, il me semble que. www.google.fr. Ah, si, il fonctionne. Il fonctionne. Le navigateur internet fonctionne. Très bien. Et donc, c'était. Alors. Ah zut. Ah zut. Je peux pas. Ah oui d'accord, ok. Alors, on va recommencer. Basé sur la ligne, c'est comsat.term.entry. On va essayer de rentrer ça directement sur le navigateur du truc. Alors, comsat.
J'ai une mémoire de poisson rouge. Ah. Y a pas un système de notes quelque part? Ah si, y a... Ah, je l'ai pas pris. J'ai un add-on sur le jeu qui te permet d'avoir un bloc-notes et je crois que je l'ai pas mis. Ah dommage. C'est pas grave. Comme ça, point terme, point entrée. Ok. Donc on va faire. On va essayer de taper ça sur le navigateur. Comme ça, point terme, point entrée. Ça me donne absolument rien. Ah, ok. Comme ça, point terme, point entrée. Bon, je vais essayer de via mon navigateur à moi. Comme ça, point terme, point entrée. Non, ça me donne. En fait, ça fait une recherche, une bête recherche. On va ici avec le HTTP comme ça. Term.entry. Non, ça donne rien du tout. Si j'enlève le S du HTTP, non plus. Ok, donc ça sert à rien. Ça sert à rien visiblement. Donc, parce qu'en plus, quand je saisis outils, ça me donne absolument rien. Donc ça c'est naze, ok c'est pas grave. Donc on va faire... Alors, il y a une séquence logique, donc c'est 5, 25, 29, 85, 89. Ok. C'est bon, je l'ai compris. J'ai compris la séquence. 5, 25, donc c'est x5 en fait. 5 x 5, non attends, x6. Non, 5. 5, 10, 15, 20, 25, x5 pardon. Plus 4. Par contre, là, pourquoi ça fait 85? Attends. Attends. Donc là, c'est x5 plus 4. Là, ça peut pas être une multiplication, c'est impossible. Ok. Parce que là, si j'active. Je vais regarder avec ma... Si je regarde ça avec la calculatrice. 85 divisé par 29, ça fait rien. Ok. 85 divisé par 25, c'est 3,4. Donc ça n'a rien à voir. Et 29 plus 25, ça donne 54. Ça donne pas 85. Mais ouais, en fait, il y a une. Là, 25, 29, c'est plus 4. Et 85, 89, c'est plus 4 aussi. Alors. Il faut que j'arrive en fait. Là, donc là il y a un plus 4, là il y a un x 5, là il y a un plus, là il y a un plus 4 aussi. Mais par contre c'est de 29 à 85 où je suis pas. Ah attends. Ce serait 25. Ah attends. Parce que 25. 85 divisé par 25, c'est 3,4. Non, ça n'a aucun sens. Attends. Ok. Saisis la coordonnée logique suivante. Donc 5, donc ça c'est plus 5, ça c'est plus 4. C'est dommage que j'ai pas mon système de notes. J'aurais dû le prendre, j'ai pas pensé. C'est pas grave. Fois 5 plus 4. Plus 4. Plus 60. Non, c'est pas... Non, pas plus 60. Si. Si, c'est ça, plus 60. Mais pourquoi ce serait plus 60? Parce qu'entre 25 et 35, il y a 60 de différence. Qu'est-ce... À quoi ça correspond, ces 60? Vous savez, ça, c'est le genre de truc... Je suis incapable de. Je sais pas. Je sais pas encore. Faut que je comprenne.
J'avoue, j'ai pas trop suivi. Non, mais la seule chose à comprendre, c'est ça. Il y a une séquence logique, de base, 5, 25, 29, 85, 89. C'est ça, hein, l'énigme, hein, actuellement. Là, on est bloqué que sur ça. On n'a pas besoin d'avoir d'autres informations. La seule information, c'est ça. Nous, on doit saisir la coordonnée logique suivante. Donc, qu'est-ce qu'il y a après 89? Parce que là, la séquence logique, de 5 pour aller à 25, c'est x 5. Okay. De 25 à 29, c'est plus 4. Okay. De 29 à 85, je ne sais absolument pas, et c'est là où je bloque. Et de 85 à 89, c'est plus 4. Donc en fait, il y a une logique de plus 4, mais il y a un truc qui... Voilà, il y a un truc qui bloque. Il y a un truc qui bloque. Ah, attends. 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 C'est 85. Parce que... Attends. Donc 85 moins 25, ça nous... Non, moins. 85 moins 25, ça me donne 60. Ouais, non, mais alors ce qui est intéressant, c'est que là, c'est une énigme comme ça. Et des fois, c'est autre chose. Une fois, j'ai dû chercher sur la Bible, en latin, la version latine, je crois, un extrait du coup de la Bible, pour savoir qu'est-ce qu'il fallait répondre, tu vois, par exemple. Ok. Donc là, il y a une différence de 60. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence de 60 entre les deux? Ouais. Ben, pourquoi en fait, genre, tu dois passer, tu rajoutes 60 pour avoir ça? Parce que du coup, la logique voudrait que je rajoute 60, 85. Si je fais 85 plus 60, ce serait 145, mais je suis pas sûr que ce soit ça. Oh, si, ça a marché. Ah merde. Ah, c'était effectivement ça. D'accord, ok. Ah non! Ok, nouvelle séquence logique activée. Merde, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45. Ok. Merci. Alors, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45. Ok, je découvre un... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. De 1 à 3, ça fait plus 2. Là, ça fait fois 2. Là, ça fait plus 4. Ah, ça fait plus 5. Attends. En fait, c'est... Non, attends, c'est pas fois. Donc c'est... Là, il y a plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. De 28 à 36, c'est plus... Attends. 2, 4, 6, 8. Oui, j'utilise mes doigts. Et alors? Plus 8. Et de 36 à 45, plus 9. Donc, plus 9, 45. Plus 9, 51. 45, plus 9, 51. 40, 54. Comment ça? 45, 45. Attends. 36. Alors, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9. Ah, pardon, plus 10. 55, excusez-moi. C'est 55. Yes. Oh non! Oh, l'horreur. Mettez pas des trucs comme ça. Ok, nouvelle séquence logique activée. 1, 0. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. C'est quoi cette saloperie? Comment veux-tu que je découvre la séquence logique? Si, alors, autant, le tout premier c'était un peu retors, fallait comprendre, il y avait une logique un peu bizarre. La seconde, c'était très facile, parce que c'était vraiment une addition et tu rajoutais à chaque fois plus 1. Autant là, c'est quoi cette saloperie, quoi? Nouvelle séquence logique active. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie? Ah! Donc. Déjà, il faut essayer de voir entre le. Parce que celui du milieu, là, c'est. Voilà. Hein. En fait, c'est 1 sur 3, donc il faut juste voir comment ça s'est additionné, là. Là, il y a eu un. J'arrive pas en fait, faut que je lance un bloc-notes et que je note les deux séquences l'une au-dessus de l'autre. Alors attendez.
Ce que je vais faire, c'est que pour que vous profitiez quand même un peu de ce que je fais, on va changer la méthode de capture. On va faire une capture d'écran. Une capture d'écran, tout simplement, en fait. C'est-à-dire que, voilà. Voilà. Voilà, on va faire une capture d'écran et on va faire hop. Tac, on fait comme ça. Voilà, et comme ça, on voit, comme ça, vous voyez normalement un peu ce qui se passe. Donc là, il faut que je vais juste taper 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Tac, et en dessous, on va mettre le 1 machin et tous les 0. Ok, et ensuite en dessous, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Oh, attends, c'est pas possible. Ah mais si, mais c'est parce que les 1 sont plus petits que les 0, c'est pour ça. C'est pas ouf ça. T'as fait chier parce que j'aurais voulu que ce soit aligné. Bon, bref. Du coup, comme dit, cette ligne, elle est chiante. Là, on voit 1, là, ça bouge pas, là, ça bouge pas, là, ça bouge pas. Donc 1, 0, 1, ça bouge pas. 1, 0 et 0, 1, ça s'inverse. Ok. En fait, les 3 du milieu. En fait, c'est pas 3, mais les 3 suivants, ils s'inversent, ok. Ah, attends, c'est sûr, j'ai loupé dans la séquence là, attends. 2, 4, 6, 8, 10, il y a 10 digits, ok. 2, 4, 6, 8, 10 toujours là. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, ok. Là, il y a effectivement un digit en moins. Pourquoi? Ok. Moi, je pensais qu'il y avait le même nombre de digits, mais en fait, il y en a un en moins. Ok. Vous voyez bien hein, ce que je fais. Hein. Normalement, vous voyez ce qui se passe. Ok. Donc, là, effectivement, il y a un truc. Donc, ça veut dire que. Ça veut dire que. Faut que je mette ça, en fait. Hop. Hop. Le mec, il a essayé un truc au pif. Il s'est dit, ça va passer. Ok. Donc là, 3. Là, les 3. Ok. Je comprends pas, en fait. Moi, je. Ah, attends. Si ça se trouve, c'est. Ça, tu peux le traduire. Attends. Ah, je sais. Je suis presque sûr de savoir ce qu'il faut que je fasse. Il y avait un site trop bien pour ça. Il s'appelle comment? C'est un truc casse-tête. Non, c'était logique. Non, attends, c'était traducteur 01. On va faire ça. Traducteur 01, traducteur 01, traducteur binaire. Merci. Traducteur binaire. Voilà. Pratiquement sûr que ça, on va voir. Hein. Traducteur binaire, hop, convertis-moi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Pourquoi il met des points d'interrogation? C'est censé correspondre à quoi? Ouais, si on le met sur le bloc-notes, non, ça met vraiment point d'interrogation. C'est bizarre ça. Parce que lui, c'est un W. Le troisième, ça correspond à un W. Des décimales? Oh là 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 là. Et ensuite, si je mets ça là et que je fais binaire en texte, ça donne rien du tout. Ok. Ok. Les caractères chinois et t'as le plugin dans ton navigateur pour bien les afficher. Ah, c'est les caractères chinois et t'as pas le plugin, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais, mais je comprends pas pourquoi. Ouais, mais c'est bizarre ça.
C'est bizarre, cette séquence, elle a un truc, il y a un truc bizarre. Pourquoi lui ça fait un W et deux autres ça fait rien du tout? C'est pas normal. Je comprends pas. Attends. J'avais un site, je l'ai plus du tout. C'est un truc de. Ah oui, code. Du code. Code. Non, mais code, c'est trop facile. Code de la route, code. Non. Code ASCII, on va faire comme ça peut-être. Non, ASCII table, non, c'était. En fait, c'est un site décode. C'est peut-être ça. Ah, décode, merci. Décode. Binaire, merci. Tenter le décalage possible, voilà. Détection automatique. Voilà, super, tu me fais ça. Tu me fais une traduction comme ça. Alors, voyons voir. Là, il me donne plein de résultats. Ok. Je crois que ça donne rien du tout. Si ça se trouve, là, je vais beaucoup trop loin dans la réflexion, hein, en vrai. Que là, tous les résultats qu'il me donne, ça me convainc pas du tout. Si un digit de moins à chaque fois, ça me semble pas être une coïncidence. Déchiffrer. Ce problème détecté, quelque chose de décode empêche son fonctionnement. Ah, parce que j'ai le bloqueur de publicité. Ah non, chez toi, il est désactivé, il me semble. Attends, je vérifie. Ah, peut-être, ouais, effectivement, il est activé. Tac, tu vas pas m'enquiquiner maintenant. Hop, en nombre entier. Non. Ce site, il est parfait. Ça c'est le site. Il devrait le mettre en suggestion. Ça devrait être le site par défaut quand tu ouvres le navigateur dans Secret World. Non, mais alors, du coup, c'est pas. Je pense que c'est pas ça. C'est sûr, c'est pas ça parce que là, ça me donne absolument rien. Et en plus, vous voyez bien que que ce site-là décode. En fait, il peut vraiment t'afficher plein de trucs. Donc, c'est vraiment pas du tout le. Voilà. Alors, pixel bité là, c'est bien. Ok. Bon, on va tester. Alors j'avais déjà testé de faire ça, mais avec un de moins, ça ne marche pas. Avec un de plus, ça ne marche pas. Par contre, donc je mets ça 1 et ça on met 0, ça marche pas. Okay. Qu'est-ce que ça peut être cette connerie, punaise? Je suis incapable de comprendre en fait. Que si j'en prends juste un, que j'essaie de le détecter. De le déchiffrer en caractère comme ça. Je sais pas. Je sais. Le jeu vient de me kill là. En tout cas, ce qui est sûr, je rapporte le micro, ce qui est sûr, c'est que c'est de toute façon forcément une réponse en 0 et 1. Tu me poses une question, je suis même pas capable de te répondre. Sinon, fais. Ça? Je sais pas, franchement j'en sais rien. Je sais absolument pas ce qu'il faut répondre, tu vois. Ça demande trop de. trop de réflexion pour moi. Bon, à un moment que t'es installé, pose les pattes arrière. Pose les pattes arrière, ma grande. T'as une position qui est aberrante, ma grande. Hein? Ok. Là, moi j'y croyais avec le
Avec le site des codes, hein, je me suis dit, vas-y, il va me. Il va réussir à me trouver. D'ailleurs, attends, je crois que le site, ouais, il est prévu pour être affiché comme ça. Désolé pour vos yeux, hein, si ça vous fait bizarre. Si je tape logique, suite logique, peut-être qu'il trouve un truc, lui. Table de vérité. C'est quoi ça, table de vérité? Oh. Alors, attends, mais tu sais quoi, je vais, ouais. Voilà. Donc en fait, t'as ça. 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1. Là, on a 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Là, on a 1 0 1 0 1 0 1 1 1. Neuf zéro, ouais, non, sur 2, 4, 6, 8, 9, 0, c'est ça. Il y a 9 0 sur le deuxième, exactement. Donc en fait, il y a 10 digits là, 10 digits là, et là, il y en a 9 seulement. Et d'ailleurs, ça me perturbe cette histoire de 9. Parce que ça veut dire que lui, le truc suivant devrait peut-être en avoir 9. Tu vas voir que s'il y a un matheux qui va débarquer sur, sur le chat, il va dire, oh, mais c'est facile, c'est ça. Il va juste en clignant des yeux, il va faire, ah, mais oui, c'est bon, c'est facile. C'est 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oh, attends. Oh! Regarde, là il y a 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 I. Je crois savoir, là faudrait laisser 1 parce que ça reste comme ça, 0 aussi. Là, il faudrait faire comme ça. Là, il faudrait faire comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Là, comme ça. Là. Ce serait comme ça et comme ça. Ouh, t'as vu ça? Alors, je sais pas si tu comprends la logique là que je suis en train de mettre. C'est que j'essaye de faire comme un miroir, on va dire. Alors que là, en fait, c'est toujours un 1, la première truc. Là, c'est toujours un 0. Okay. Là, en fait, le second digit, il est pas aberrant. Il permet en fait de créer la cohérence du truc. Et donc la quatrième, là, c'est 0. Ok. Là, c'est 0. Et donc, 2 fois 0, là, il y a une fois 1. Du coup, je me dis, il y a 2 fois 1. Tu vois. Et là, 1, 0, 0. Donc là, en fait, c'est. Comment dire? Comme dans les rimes, vous voyez, ça, c'est une rime. A, A, B, B. Là, c'est une rime A, B, B, A. Oui. Là, c'est A, B, A, B. Là, c'est A, A, B, B. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, vu qu'il n'y a plus que 9, ben, j'en mets que 9. On va essayer. Putain de c'est mort. Va rajouter un 1 en plus. Non. Putain! Ah! Ok. J'ai envie de crever. Pourquoi? Ça marche pas. Putain, je suis blasé. Ok.
Ok, c'est facile. Et toi, t'avais pas un truc... suite logique. Suite de convets. Nombre de termes. Voyons voir si lui, s'il peut me trouver un décodeur de suite logique. Non, ça, c'est débile. C'est parfaitement débile, c'est pas du tout ça. La suite de convets logique. Alors, non, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas grave. Alors, syllogisme. Tu le voulais un pour que un dual booléen? Non. Je suis pas sûr. Non, c'est pas ça du tout. Attends, on va faire parcourir la liste complète des outils. Ouais, il y a beaucoup trop de choses. Alors, mathématiques. Calcul. Non. Ouais, ça va être beaucoup trop chaud. Ouais, attends. Ici, je tape suite logique, il me donne quoi? Il me propose la suite de convets, le nombre. Ah, les nombres de Fibonacci. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais. Non, c'est pas ça. Mais c'est intéressant ça. Les syllogismes non plus. D'ailleurs, chiffres par décalage. Ah, attends. Non, c'est pas ça. Code César progressif. Je ne connais pas. Est-ce que c'est ça? Non. Expansion. Attends. Alors, attends, on va faire décodage de suite logique. Oui, ok. Ouais, le problème, ça, c'est que là, sur ce site. Ça va forcément mettre du 2, du 3, du machin. Donc, attends, suite logique. Non, ça m'intéresse pas ces trucs-là. Comme ça, c'est le site des codes, quoi. Je retourne dessus, malheureusement. C'est pas alors traducteur binaire du code binaire traduction. Mais après, ah, attends, mais c'est vrai que j'avais pas fait ça. Ok, là on a peut-être quelque chose ou pas. Hein. Alors. Donc le premier c'est 729, on enlève à 512, donc en fait on enlève 217, et ensuite 512 moins 343, 169.
Pourquoi? J'essaie de voir hein, si en fait. Donc, on passe de 729 à 512 et 512 à 343. Attends. Je crois peut-être savoir. Attends. Donc, on disait donc 729, 512, 3, 4, 3. OK. 3, 4, 3. Attends, on va agrandir juste comme ça. Voilà, comme ça, on voit tout. Faut essayer de trouver une logique par ligne, vous voyez, comme ça. 7 moins 5, ça fait 2, donc c'est pas ça. Que là ça fait ah si en fait ça fait là ça fait 7 5 3 donc c'est toujours moins 2 donc là ça serait logiquement 1 ok là 2 1 et 4 donc là on a moins 1 plus 3 ok moins 1 plus 3 du coup la suite ce serait moins 1 plus 3 ou alors ouais mais non. Parce que de 2 à 4, ça fait fois 2. Là, de 2 à 1, ça fait moins 1. Donc là, ce serait 3. Ouais. 2, 1, 4, 3. Ok. On essaye. Hein. Je ne sais pas du tout si ça a fonctionné comme ça. Et alors, lui, par contre, il est beaucoup plus retors, là. 9, 2, 3. Pourquoi? Parce que là, ça fait 9. On est passé de 9 à 2. On passe, fait moins 7 plus 1. Sauf que là, si je fais moins 7, ça va pas le marcher. Non, ça va pas. Ça fonctionne pas, ça. Ou alors j'essaye de mettre ça à la moulinette d'une suite logique. Attends, on va voir. Suite logique. La suite de convex. On va mettre nombre texte tac calculer non c'est pas ça. Non c'est pas ça que je veux ah mais lui il veut calculer non moi je veux décoder suite logique nombre alors décoder suite ah mais ça là ça va le calculer ça va pas le décoder. Si je fais 729, ça donne quoi? Non, c'est naze. C'est pas ça que je veux. Comprends pas. Mais ça c'est pour chiffrer, je m'en fiche. Ok, donc non, toujours pas. Ok. Ou alors, attends. Parce que comme dit, 729 moins 512, ça va donner 217 entre les deux. Ok. Là, entre 512 et 343,
43, ça donne 169. Ok. Ah, attends, j'ai pas testé. 100, 217 moins 169, ça fait 48. Donc si on fait 343 moins 48, ça donne 295. Ok. On va convertir 295 en binaire. Je suis dans la pure. Ah, pourquoi il écrit aussi grand? C'est pas normal. Attends, ça passe. Non, c'est pas normal ça. Ah, c'est beaucoup trop long. Attends. Écriture en n bits. Ah, c'est pas normal ça. Ah, ça, c'est pas normal parce que si je mets ça. Tu vois. Nombre binaire et sa valeur décimale. Ah, c'est base 10. Ah, c'est pour ça, chrétien. Ok. Donc là, attends. Que 295, pour qu'il soit converti, il faut. Là, il y a beaucoup trop de bits. C'est pas possible. Si je fais comme ça. Ah! Là, on a un truc plus cohérent. 2, 4. Attends, 2, 4, 6, 8, 10. Yes. Alors. Non, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux copier ça. Voilà. Et donc, ça donnerait le quatrième résultat. Ce serait ça. On va voir. On va essayer. Croise les doigts. Là, je suis parti tellement loin. Et ça marche pas. Si ça se trouve, je vais beaucoup trop loin dans la réflexion, là, tu vois. Mais c'est un truc de ouf. En plus, t'as vu, je vais vraiment loin. Et c'est comme ça à chaque fois dans les missions d'investigation. Mais je vais juste à 5 milliards de kilomètres trop loin. Et en fait, c'est pas. C'est complexe, hein. Faut pas se le cacher. C'est complexe les missions d'investigation, mais des fois moi je pars en sucette. Parce que si ça se trouve, il n'y a même pas besoin de convertir ça en. De convertir ce binaire en nombre. Hein. Si ça se trouve, voilà, c'est. Parce qu'en plus, moi, je suis parti en. Ouais, je sais pas. Attends. Peut-être j'ai simplement mal traduit le truc, j'en sais rien. On va tester autre chose. On va rester sur cette théorie du ça, faut le traduire en nombre et c'est nombre. Parce que ça peut pas être traduit en lettres. Visiblement, ça donne rien. Ou alors des caractères que je n'ai pas. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis des caractères que tu puisses pas voir. Donc 729, 712, 343. Ok. On va juste effacer l'historique. On va effacer ça. On efface tout. J'ai dit tout. Voilà. On recommence. On a 729. Si on fait moins 343, on a 386. Et si on s'y fait 512 moins 386, fait 126. Non, c'est pas. C'est n'importe quoi. C'est une réflexion à la con. Okay. On recommence. 729 moins 512. Ça me donne 217. 512 moins 343, ça me donne 169. Ça, c'est bon. Ça, il n'y a pas de souci. Ok. Et maintenant, pourquoi je passe de 217 à 169? Parce que quand je fais 217 moins 159, c'est ce que j'avais reçu, là, 48. Mais c'est probablement pas ça. C'est pas ça. Voilà, 217 divisé par 169. 1,2, non, c'est pas ça. Oui, ben oui.
Oui, bah, en tout cas, ce que ça signifie, c'est que ça correspond à ça, en tout cas, en traduction binaire vers un nombre entier, ça donne ça. Pourquoi, je ne sais pas. D'ailleurs, attends, tiens, d'ailleurs, ouais. Code binaire. Ouais, il est formel, c'est 353. Si j'enlève encore un, 171, ok. Et si on rajoute un de plus, ça donne 687. Ok, bon. C'est le binaire, hein. D'ailleurs. Non. Ok. Non. Ta tentative, ça avait quelle longueur? 9 ou 10? Attends, bah, je te le dis ça tout de suite. C'était 200. Attends. Ouais, c'est ça, c'est 295. 295. Ouais, c'est ça, convertir. Et ça, 2, 4, 6, 8, 10. Ma tentative avait 10. Mais le truc, c'est que tu vois, là, ce nombre-là, donc si je fais comme ça, si je le convertis, ça donne bien 295. Par contre, mettons que j'enlève 1. Salut, que ça t'atteint. Si, mettons que j'enlève 1, ça va donner un résultat qui n'a rien à voir. Yogg, tu vas nous sauver, exactement. Alors Yogg. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Oh shit. Ça, c'est. Ah! Je me souviens plus. C'est plus 60, donc c'est 145. Là, c'était plus 10, voilà. Et là, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Tu vis mal la pression? Non, t'inquiète, pas de pression, pas de pression. Est-ce que tu as quelques connaissances en séquence logique? Parce que là, en fait, faut qu'on décode cette séquence logique pour pouvoir avancer dans la mission. Sachant que la mission n'est que sur la première phase sur 3. Voilà. Donc là, tu vois, en fait, il y a cette suite logique. Alors, tu vois, je suis quelqu'un de sympa, c'est que je l'ai écrit comme ça, en ligne, tu vois. Donc, tu as 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ensuite, tu as 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ensuite, tu as 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Voilà. Il faut découvrir la suite fucking logique de ce truc-là. Harry Wally, comme moi-même, on est en galère. J'ai essayé de traduire ça en nombre entier. Ça me donne. Cette suite-là, j'ai essayé de trouver une suite logique qui était 295 et que ensuite j'ai reconverti en binaire et ça n'a rien donné. Voilà. Après, si ça se trouve, c'est facile, hein. Toi peut-être que tu connais, tu as peut-être des notions suffisantes en maths ou en logique, mais moi je suis en galère totale, personnellement. Ah non, oui. Ah. Tac, 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 on va recommencer. Donc, 145, 55. Voilà. Ah, ok. J'ai compris. Bon, c'est pas grave. Ok, donc faut que je trouve la suite logique et je suis. Et en fait, je galère. Après, on peut éventuellement aller sur la database de The Secret World. Pour les missions, ils peuvent en fait t'aider. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent te donner des pistes sur comment décoder le truc, éventuellement. Parce que là, je ne sais pas, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes là que. 40 minutes peut-être qu'on galère sur ça. Donc voilà. Ok. Tiens, attends, on va essayer de repartir dans les bases, sur les choses
dites de base. On va essayer de comprendre ce qui se passe là. J'avais essayé de faire une symétrie, ça marchait pas. Et en plus, ouais, j'avais essayé de simplement de mettre ça là, comme ça. Vu que là, il y a un digit en moins. Mais en faisant ça, ça donnait absolument rien. Ouais, moi aussi, ça. Oui, moi, ça me paraît logique, mais peut-être que tu vois, on est parti trop loin dans la réflexion. Parce que ça fonctionne pas. Trouver la suite, oui, bah alors du coup, 729, 512, 343, faut trouver une suite à ça. Bah écoute, si, hein, dire-moi quand je traduis ça via un décodeur, via le super site Décode, nombre écrit en binaire, hop, il me trouve 729, 512 et 343, tu vois. Donc, c'est pour ça, hein, tu vois. On veut dire, moi, je ne suis pas. Je fais confiance de manière aveugle à ce site qui, pour l'instant, ne m'a jamais mis en défaut. Mais du coup, voilà. Oui, mais ça, comme dit, c'est pas un problème, tu vois. Le fait que qu'il y en ait 9 ou il y en ait 10, pour le binaire, c'est pas un problème. Vu que le binaire, c'est pas. Voilà. Pixel? Non, tu joues pas avec ça. Tu joues pas avec la moumoute. Bien. Voilà. Va ailleurs. Voilà. Ou alors, attends, tu sais quoi, on va carrément copier-coller ça sur le navigateur. Alors, avec les espaces qu'il faut. Ah, brainly.in, what is the next number of the series 729, 712, 30? Ah, si ça se trouve, lui, tu vois. En 2019, il était en train de jouer à Secret World et il demande ça de manière innocente sur le site Brainly. Allez, arrête. Alors. Oh. Alors, attends. Oh. Expert vérifié answered. Alors, what is the next number in the series? Solution: an analysis of the given series. It can be observed easily. 9 au cube, c'est 729. 8 au cube, c'est 512. 7 au cube, c'est 343. Oh, according to the logic, next term should be 6th, 6 au cube, et donc 216. Waouh! Est-ce que c'est ça? On va voir. Alors, du coup, on va convertir 216 en binaire. Voyons voir ce que ça donne. Si ça se trouve, c'est pas ça et je vais crever, hein. Copier, coller. Putain, c'est pas ça. Oh putain. Oh putain. Oh. Je vais m'énerver. Je vais devenir fou là. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Ah! 729, 512, 343. On est d'accord que c'est bien ça, 729, 512, 343. Donc 216. 216 a bien été converti en binaire. Si je mets comme ça va pas donner le même résultat.
Tac. Tu veux pas le coller, espèce de le chien de la casse là. Je vais le fumer, hein. Voilà. Marche pas. Sans, salut Better Betra. Sans les zéros au début peut-être. Attends, on va reprendre ça. Genre juste ça. Ouais, justement, je l'ai fait. C'est pour ça, donc... Betterave. T'as gagné quelque chose là. Ouh, t'as gagné quelque chose. T'as gagné quelque chose, attends. Je vais voir si je peux le faire depuis le truc, pas. Ah, j'arrive pas à te... Bon. T'as gagné toute ma reconnaissance. Parce que tu t'imagines même pas, en fait, depuis combien de temps... Ah, c'est bizarre, là. Ah non. Ça, on enlève. Oh. Ah, attendez. Je vais recharger le truc du chat. Parce que là, il m'a affiché... il m'a fait un affichage très bizarre. Ah non! Alors bougez pas, n'écrivez rien. Tout est sous contrôle. Non, non mais Twitch chat, fais un effort là, s'il te plaît. Mais je vais te niquer, hein. Allez. Beaucoup de d'insultes et tout, hein, vous m'excusez. On ferme ça, s'il vous plaît, je m'en fiche, j'ai une nouveauté. Voilà, donc bien sûr, j'ai tout perdu de ce qui avait été écrit avant. Je vais voir des fois que vous avez écrit des bêtises entre-temps. Non, vous n'avez pas écrit de bêtises, c'est très bien. Ouh. Ok. Bah, en tout cas, merci beaucoup, parce que là, on est sur la suite, et là, on va crever encore plus. Séquence logique finale requise. Ah, attends, d'ailleurs, par contre, attention, attention, attention. C'est celle-ci, hein, la suite qu'il faut garder. On va la garder parce que sinon, je m'en souviendrai pas. Donc, ça, c'est la suite. Ok, on n'y touche pas. Tu bouges pas, ma grande. Alors là, séquence logique finale requise pour initialisation. 3, 1, 2, 2, 1, 3. 2, 1, 2, 2, 2, 3. 1, 1, 4, 2, 1, 3. 3, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. 4, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, 4. Saisissez le nombre logique suivant. Mais bien sûr, c'est facile. Bon. Alors, on va déjà copier-coller tout ce bordel. Hein. Hop. Hop. Voilà. Évidemment. Faire comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, ok. Ah, donc déjà, alors. On est d'accord, je me suis pas planté, hein. Ouais, c'est ça. Donc t'as trois séries avec 2, 4, 6 chiffres. Et t'as trois séries avec 2, 4, 6, 8 chiffres. Ok. C'est-à-dire que la prochaine série doit être avec 4 chiffres. 10 chiffres, pardon, 8, 6, 8, 10, ouais, c'est ça. Donc on doit avoir 6, 8, 10, donc là ça fait 3, 2, 1, 3, 4, 3, ouais, super, 1, 1, 1, 1, ok, 2, 2, 4, 1, 1, 2, ok, là je comprends le cheminement. Ok, alors 3 moins 2 ça fait 1, et là c'est 3, 4, 3, non, là je comprends pas. Ah, bien, bien joué, ta merde, il garde pas les retours. Alors, il garde pas les retours, mais je comprends ce que tu veux dire, en fait, là.
En fait, tu sépares la logique déjà, le truc. Oh. C'est pas mal. Mais c'est bien que. C'est bien ce que. Malgré que t'as pas les retours, c'est pas grave. Mais le chat Twitch est pas totalement optimal. Mais en tout cas, tu vois une certaine suite. Ok. Alors. Ah, attends, ça fait miroir là. Ah, mais c'est pas voulu parce que là, ça fait pas miroir. Et je regarde, il n'y a pas d'autre miroir. Si, là. Oh. 312-213, 312-213. Ok. Mais pourquoi c'est... En fait, 213, il apparaît une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ok. Et à 223, 223. Ouais, ok, c'est... Alors... Ok, attends. J'ai l'impression de percevoir un truc. Je perçois des choses. Ça doit commencer par 3. Parce que la première triple série, ça commence par 3. La deuxième triple série, ça commence par 3. Donc ça va commencer par 3. Ensuite, c'est forcément 1. Ça, c'est sûr. Ensuite, là, ça fait 2 plus 2, 4. 1 plus 1, 2. 0 plus 0. Non? Mais il n'y a pas de 0. C'est bizarre. 2, 1. Là, ça fait 4, 2. Si, si, en fait. Je vais essayer, hein. Là, c'est 2, forcément. Et là, c'est 1, 2, 1. 1, 2, 1. Donc là, c'est 1, 3. Voilà. Et là, un plus un, deux, deux plus deux, quatre, et là, quatre. Ok. C'est 310, 213, 24. 310, 213, 24. C'est pas ça. Ok. C'est pas ça. Et moi, je pense que c'est par rapport au zéro, tu vois, j'ai merdé. Pratiquement sûr que c'est ça le problème, parce que là 213, 203, 213, 213. Alors là ça fait A, B, A, A, B, A, A. Attends, A, B, A, A, B, A, A. Attends, attends, je rajoute juste une ligne que je comprenne. A, B, A, A, B, A, A. Oui, c'est ça. Ou B en fait, simplement. Non, attends. A, B, A, A, B, A. Oui, c'est oui, non, c'est bon, ça c'est juste. Ça, c'est censé être juste. Ça, c'est peut-être pas juste, je suis pas sûr que ce soit 2, 4. Et surtout, c'est surtout ici, là, 310, c'est pas possible. 2, 2, 4, 1, 1, 2. Deux, deux, quatre. Ah, mais en plus, je suis bête. Bah oui, puisque j'ai dit avant que il faut que je... Attends. Voilà. Il faut que je rajoute derrière encore deux autres. C'est obligé. Puisque là, il y en a 6, là, il y en a 8, donc là, il en faut 10. Et comment je fais? Comment je fais pour en rajouter deux en fait? Ok. C'est pas simple du tout. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Trois cent douze et 113.
Parce que là, en fait, là, ça fait un miroir. Et ensuite, ça refait un miroir à la fin. T'as envie de canner, ouais, moi la même. Tu te dis que t'avais réussi avant, là, c'est bon, c'est terminé. Ben non. Séquence logique finale. Ah là 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 là. Est-ce que c'est traduit? Est-ce que ça peut être traduit ça? Alors, c'est pas du binaire, par contre, ce serait pas du binaire, ce serait quoi? Suite. Alors, la suite de Convex, c'est peut-être la suite de Convex. Calculer. Non, rien à voir. C'est pas une suite de Convex. Les nombres de Fibonacci non plus. Chiffre par décalage. Ah, c'est. On va copier-coller, on va le mettre comme ça en brute force, il va rien comprendre le pauvre. Ah, mais c'est pas un alphabet, moi. Message chiffré par multiple décalage. Non, mais c'est pas. Non, ça veut pas. Ok. C'est pas un truc comme ça. Nombre en chiffres. Non, c'est pas ça. Celle-là, je vous avoue que c'est vraiment chaud. Déjà, ça peut pas être 310. C'est impossible. 2, 1, 2. Ah mais si je fais ça, ça va faire une. Ça fait. En fait, c'est juste je copie la même chose, quoi. C'est impossible. Ça peut pas être ça. 312, 213, 311, 313. Si, 310, 213. 24. Putain, je comprends pas. Je. Ok. Je ne sais pas. Je sèche. Je sèche totalement là, pour le coup. Je vais me permettre juste d'aller sur la base de données, voir s'ils n'ont pas une. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle gagnant-gagnant. On va juste voir la mission s'ils n'ont pas une suggestion vers où aller. Alors, ah, peut-être qu'ils l'ont pas malheureusement. Oh non! Ils n'ont qu'une seule mission d'investigation et c'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là. D'accord. Alors, on va voir. Mais je sais pas si. En fait, le problème des autres sites, ça, c'est. Ah, attends, sur la version, sur le site en version legacy peut-être. Parce que ça, en fait, c'est la nouvelle version de la database, mais la version legacy existe encore. Et normalement, voilà. Il te donne pas, vous voyez, en fait, il te donne pas les solutions. Il te met des hints. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste cliquer sur le hint. Donc,
ouais, par exemple, là, 0, il dit cube, reverse. Alors, je comprends pas du tout ce qu'il veut dire. Triangle, sum and square. Hein? The One Line Encyclopedia of Integer Sequence. Oh, il y a un site comme ça. Inter Sequence Word ou Sequence Number. Mais non! Ça existe, ça. Wesh. J'adore. Vas-y, je type ça. On va voir. Alors, search. Attends, j'ai peut-être pas. Faut peut-être que je mette des virgules entre, sinon le machin il va péter un câble. Peut-être, hein. Mais tu vois, là j'ai un peu du mal à me focus là-dessus. 3, 1, 2, 3, ok, search. Ouais, ça devient bordel là. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce truc? Ce site, il fait encore plus mal à la tête que l'autre. Attends, je crois que c'est ça. Attends, voyons voir. 3, 1, 2, 3, ouais, c'est ça. 2, ouais. Et du coup, là, ce serait quoi la suite de ça? Attends, je vérifie si c'est bien ça. 3, 312, 213, 24, ok. Et là, ce serait 213, 22, 314. Ce serait possiblement ça. Ou alors après, il y a aussi ici. Hein, ça donne le même résultat. Ça donne le même résultat. Mais alors d'accord, moi je veux bien que ce soit ça éventuellement, mais alors pourquoi? Ça devient exemple. 1, 3. 1, 1, 3. 3, 1. Oh! Ça devient complexe là. Ça devient complexe. Ce serait en fait. Ok. Say what you see. Là, il y a 1, 3, donc c'est 1, 3. Et là, il y a 1, 1, 1. 1, 3. Donc 1, 1, 1, 3. Ah! Attends, mais du coup, on va quand même le faire. On va quand même essayer de le faire comme un grand, si c'est comme ça. Donc là, il... Non, mais attends, ça va pas. Ça... Du coup, ce serait bizarre comment on l'écrit. Donc là, ce serait 2, 3. 2, 2. 2-1, pardon. Attends. Non, ça va pas. Je comprends. Non, déjà, je suis perdu parce que ça correspond pas au résultat que je vois là. Je comprends pas. On va essayer si c'est bien ce code-là. Que ça a l'air d'être ce code-là. Mais je le comprends malheureusement pas. Et c'est ce qui est un petit peu frustrant, c'est que des fois, en fait, on va trouver notre solution. Voilà. C'était ça la solution. Donc, abstraction terminée, accès aux communications de Ghost. Attention, toutes les communications ont été effacées, les logs d'activité sont disponibles. Donc, effectivement, c'était ça le code, c'était ça le résultat. Donc, c'était le. C'était donc. Effacer ça, c'était. En plus, il y a moins de chiffres du coup. Voilà. Donc là, c'est 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4.
Non, mais c'est ça. Attends, on va faire comme ça. Alors. Attends, mais il faut que je comprenne. Attends, j'ai envie de la comprendre, la solution. Donc là, il dit, il y a deux. Un. Effectivement, il y a deux, un. Deux, un. Là, il y a 3, 2, ok. Ok. Là, il y a 2, 3, ok. Et là, il y a 1, 4. C'est génial, j'adore. Je ne sais pas si vous avez compris comment ça fonctionne. On va le faire ensemble. On va refaire ensemble. Donc là, on a 3, 1, 2, 2, 1, 3. Et en fait, en gros, on va compter de 1 jusqu'à 3. Et là, il y a 2. Donc on met 2, 1, puisque c'est 1. Ensuite. Les deux, il y en a combien? Il y en a 2, 2, donc 2, 2. Et ensuite, il y a combien de 3? Il y a 2, donc 2, 3, 3. Voilà. Et ensuite, pour calculer celle-ci, on va compter donc le nombre de 1. Il y a 1, 1, donc 1, 1. Ensuite, le nombre de 2, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4, 2, ok. Et le nombre de 3, il y a 1, 3. Voilà. C'est important de comprendre, les logiques, parce que, ouais, là, la solution, je ne l'ai pas trouvée toute seule. On va dire, c'est compliqué. Enfin, je suis pas, comme dit, j'ai pas ce sens de la logique, mais je trouve ça intéressant ensuite. C'est, tu vois, juste donner la solution et dire, ouais, c'est bon, je peux avancer. Ça m'intéresse pas. Je veux comprendre. Si par exemple, j'ai pas trouvé de moi-même, comprendre qu'est-ce que c'était quoi. Donc effectivement, donc là, il y a combien de 1 avant? Il y en a 1, 2, 3. Il y a 3, 1, ok. Ensuite, les deux, il y en a 1, 2, ok. Ensuite, il y a combien de 3? Il y a 1, 3, ok. Et les 4, oh, ben, il y a un 4, donc 1, 4, voilà. Et ensuite, là, donc, ici, il y a 1, 2, 3, il y a 4, 1, ok. Là, ensuite, il y a 1, 2, ok. Ensuite, il y a 1, 2, 3, ok. 2, 3. Et ensuite, combien de 4? 1, 4, voilà. Et là, on continue. Les 3, il y en a 1, enfin, les 1, il y a 1, 2, 3, donc 3, 1, ok. Ensuite, les 2, il y a 1, 2, 2, 2, ok. Ensuite, les 3, il y a un seul 3, ok. Et les 4, il y a 2, 4, voilà. Et donc, là, on a 1, 2, 2, 1, ok. Ensuite, les deux, on a 1, 2, 3, 3, 2, ok. Ensuite, pour les trois, on a 1, 2, 2, 3, ok. Et enfin, pour terminer, nous avons un seul 4, 1, 4, voilà. Et enfin, du coup, la séquence que nous, on cherchait et qui a été, qu'on nous a... Bah non, c'était celle-là. Mais ensuite, par exemple, bah, tiens, je regarde, j'ai pas vraiment regardé les trucs, mais on va continuer juste pour la blague. Il n'y a pas un gros fil conducteur, une différente dynamique. Non, non. Bah, là, pour le coup, c'était suite logique. Et, faut, en fait, c'est le principe de décoder des trucs, tu vois, c'est que tu vas mettre des suites logiques différentes pour justement forcer la personne à bah, que ce soit pas trop simple. C'est-à-dire que s'il y a la même, on va dire, suite logique, ça va être trop simple et du coup, il va facilement trouver la solution. Tiens, juste pour l'exercice, alors j'ai pas regardé. Je regarde pas de manière précise tous les codes qui avaient marqué, mais juste pour le fun, on va faire ça nous-mêmes. La suite du coup de logique de ça, même si on a fait ça, on va quand même le faire pour la blague. Là, il y a 1, il y a 2, 1, ok. Pour les deux, il y a 1, 2, 3, 1, 3, 2, pardon, 3, 2, ok. Les 3, il y a 1, 2, il y a 2, 3, ok. Et les 4, il y a un seul 4. Donc, 1, 4. Voilà. Donc là, ce serait la suite de ça. Voyons voir si c'est effectivement ça. 2, 1, 3, ok. 2, 2, 3, ok. 1, 4. Ouais, c'est ça. Ok. J'aime bien. J'aime beaucoup. Donc on va voir les logs maintenant. Accéder au terminal. Pourquoi je vois rien dans les logs? Ok. C'est bizarre. Voyons voir. Quelqu'un a verrouillé le camp Orochi et désactivé le système de sécurité, probablement pour pouvoir s'enfuir ou fureter dans les environs sans se faire repérer. Découvrez qui a reprogrammé le terminal de sécurité. Donc là, faut qu'on aille au terminal de sécurité. Ok. Ouh, il y a des petits ralentissements. Vous m'excusez hein, si je regarde sur le retour, qu'est-ce que ça dit? Ouais, vous voyez les petits ralentissements, je suis navré. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Voilà. C'est comme ça. Donc là, on est au terminal de sécurité. Hein. Petit bâtard, il va encore nous faire faire des énigmes à la con.
Ghost en ligne, erreur, impossible d'accéder à la sécurité du camp Orochi, erreur 37, erreur 37, erreur 37, camp et serveur verrouillé, prise de contrôle manuel requis, sélectionner la méthode choisie. Le jeu est même pas. Ah, l'horreur. Prise de contrôle manuel requis, sélectionner la méthode choisie, interprétation du scénario de logique abstraite basée et de basée sur la ligne d'instruction. Ouais. De toute façon, la ligne d'instruction, ça donne jamais rien, il me semble. Oh! Terminal de sécurité d'Oshoei, accès privilégié uniquement identifiant invité, mot de passe invité, accès refusé, identifiant admin, mot de passe incorrect. Ok, 1. Serial addict, admin, speed. Qui me veut lui? Qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Running through dictionary, speed 3, attempt to. Lead fly, password true, append number 2, language by default, password starting with A, B, C, D, E, F, password found. Ouh. Ça, je vais le copier. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. Ton niveau, c'est plus les jeux Lego. Ouais, c'est bon, il l'a bien copié, c'est ça que je voulais. Screen, dev, machin, kni. Je sais pas ce qu'il veut. Alors, terminal de sécurité d'Orochi, accès privilégié uniquement, identifiant admin, mot de passe, ben c'est bon, accès autorisé, note connexion indisponible avec comme ça de terme entrée, connexion à distance impossible, note prière de remplir un rapport. Ok. Admin, snack, je comprends rien du tout. Tail, cannot open, varlog, log, ok, reading, permission denied. Ok, continue. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai juste fait 1-1-1-1. Et j'ai rien fait de plus. Mais visiblement, je pouvais passer comme ça. Voilà, ok. GPS update mall, location 773 77711 905 99 743 et le marquant bouclé. Merci, quitter. Quelqu'un localiser la loupe. Ah, attendez. Il y a une loupe là. Ok. La taupe. Pas je dis la loupe. La taupe. Ok. On va voir ça. On va se balader. Je pense qu'en fait, ils ont eu marre de nous mettre des énigmes, ils se sont dit vas-y maintenant pour les autres phases on va le. Ah ah! La taupe elle est un peu canée hein. Je veux pas dire. Voyons voir. Alors la taupe dans les rangs d'Orochi cherchait à récupérer des données codées sur un stylo. Maintenant que vous avez découvert son identité, il ne vous reste plus qu'à décrypter les données vous-même et à les envoyer à votre QG. Et merci Harry Wally, pardon, excuse-moi, je n'ai même pas répondu, je suis vraiment un vil gredin. Bon appétit. C'est dommage, on est presque à la fin de la quête. Hein. Visiblement, là, on est passé en easy mode là sur la suite de la quête. Voilà. Tac. Voilà. Et donc, on doit passer aller au terminal scientifique. Alors, voyons voir si je peux accéder au terminal scientifique. C'est ça le terminal? Ok. Craquer le code du stylo. Ah, nia! Il y a un code à craquer. Terminal scientifique de recherche en ligne. Clé USB connectée. Attention, les données sont codées. Prise de contrôle de la ligne d'instruction disponible. Système d'extraction de clé disponible. Ligne d'instruction ou système d'extraction de code. On va faire ligne d'instruction. Voyons voir ce que ça dit. Passage de contrôle manuel, insérer la clé USB, identifier le système d'encodage et décrypter-le, commencer à saisir les instructions. Ok. Donc là, ça indique des trucs genre accès au kernel, tout ça, on s'en fout.
Ok. Dire created, voilà. Donc en fait là il est en train de créer d'accéder au fichier, au dossier. Et là tu es en train de monter la clé USB pour faire l'accès des choses. Là on récupère le cryptnote.txt, lost plus found. Ok. AES 256, donc ça c'est la sécurité. Nous 128, donc là on a notre sécurité. On envoie analyse des 128 files en parallèle. Clé de l'aube nouvelle brûle. Copie mémoire, clé de l'aube nouvelle brûle. Fichier, machin. Note textée, comme indiqué, j'ai rerouté les transmissions liées aux artefacts du troisième âge. Elle s'intéresse tout particulièrement à ce que cette installation sait au sujet de la situation en Égypte. Sauf problème grave, je procéderai au verrouillage du camp dès ce soir. Après quoi, je me rendrai à l'aéroport de Kingsmouth. Il y a des contacts qui me permettront de quitter Solomon Island. J'ai presque fait disparaître toute trace de mes activités dans les ordinateurs du camp. Transférer les données. Et voilà! Okay, c'est magnifique! Incroyable! Nous avons accompli la mission d'investigation. Je vais juste sortir du camp. Ah zut, on a touché. Bon, de toute façon, ils vont me sortir. Vu que moi je voulais sortir, ce sera là. Hein. C'est pas grave. En fait, j'aurais pu simplement me téléporter ou me faire chier. On va se téléporter au camp Wabanaki. Voilà. Parce que c'est un lieu safe pour envoyer notre rapport. Voilà. Voilà. Si le jeu veut bien ne pas être une diapositive, merci. J'ai dit pas une diapositive. Ah! Et je vais hein? T'arrêtes maintenant le jeu. Tu te mets en fluide. Voilà. Ok. On va envoyer le rapport. Je comprends que vous ayez voulu en savoir davantage sur Orochi afin de nous faire parvenir ces informations, mais n'oubliez jamais que le groupe est, entre autres choses, un géant des communications. Il serait surprenant qu'on arrive à pirater quelque chose sans qu'il le veuille. Bien, partons du principe qu'il ne s'agit pas d'un plan retors pour infiltrer nos systèmes. La politique d'Orochi en matière de loyauté ne fait vraiment pas dans la dentelle. Il suffit de lire leur contrat d'embauche type et surtout le paragraphe 7.1 qui a trait aux mesures de rétorsion à l'encontre des membres de la famille en cas de trahison. J'aimerais bien savoir qui a réussi à retourner cet agent d'Orochi contre son employeur. Ça devait vraiment être une offre impossible à refuser. On récupère les récompenses. Nous avons accompli notre mission avec succès. C'est incroyable, bravo à vous, hein, bravo. Harry Wally n'est plus là, mais il m'a quand même un peu aidé. Yoxotot, tu m'as aidé. Bête Betra, vous m'avez aidé. Vous êtes les meilleurs. Bête Betra, franchement, bravo. Hein. Tu m'as vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Donc ici, on a fait toutes les missions. Ici, on a fait toutes les missions. Ok, il n'y avait pas un autre Tartempion là Si, le vieux, ben, le vieux, j'ai fait. Ah ouais. Le vieux, il y a une mission de donjon. Voilà, la guerre des ténèbres. On va pas la faire tout de suite. On va maintenant. Alors, il est quelle heure là? Il est 12h30. On va pas tarder. Mais je veux quand même clean un max. Je veux quand même clean un max la zone. Là, il y a une mission que j'ai pas fait. Bon, on va faire cette mission. Enfin, c'est une petite tâche secondaire. Et celle-ci aussi. Tac, on va se téléporter ici. Je vais vérifier en fait avec. C'est ce qui est bien dans ce jeu. Alors, ils ont un système de succès intégré. C'est pas pour parce que c'est le. Il y a un système de succès intégré que je trouve ça intéressant. C'est surtout que ça te permet de faire un vrai suivi un vrai suivi de tes missions, quoi. Ok, donc Rédempteur, mission d'action et de sabotage, ça me surprend qu'il m'en manque autant, tu vois. 2, 4, 6, 7. Ça me paraît énorme. Parce que j'ai l'impression d'avoir vu tout le monde. Parce que elle, j'ai tout fait. Les deux là, j'ai tout fait. Paul et le vieux Joseph, j'ai juste la mission de donjon à faire avec lui. Est-ce qu'en.
Ouais, là, y a rien en fait. Si un personnage avec qui parler, il sera indiqué avec une icône. Donc ça me surprend un peu. Ça me surprend. Ou alors j'ai cette mission ici à faire hein, avec Eleanor Franklin. Hein. C'est fort probable. Ouais, il y a déjà trois missions. Ouais, mais il en manque au moins quatre. D'ailleurs, hop, un morceau de l'or. Hop là, ça c'est récupéré, c'est gratuit. Ok, non mais je veux pas voir le lore. On verra ça plus tard durant une. Non mais c'est pas les légendes, c'est les succès, moi que je veux voir. Mission, Solomon Island. Invisible, c'est quoi ça? Ah oui, ça faudra que j'essaye de faire. Ça c'est des missions, ils te demandent de faire certaines missions sans te faire repérer une seule fois. Donc ça on essaiera de les faire par après, quand on aura terminé. Montagne bleue. Donc là, il me reste pas moyen de reposer en paix. Donc ça, c'est la mission que Eleanor propose. Là, vous voyez, c'est le petit laptop. Donc là, avec le avec le stream, vous t'as rien fait. Si, tu as fait quelque chose, Yoc. Tu as été présent et tu as eu un soutien moral important. Ok. Donc les missions d'action, ça me paraît bizarre qu'il y en ait autant. Bon. Et là, par contre, les missions secondaires. Ah, ouais, il me reste qu'un seul truc. Connaître l'ennemi. Et c'est sûr que c'est celui-là. On va voir. On va voir si ça se trouve. Il y a plus de choses sur ces trucs. Hein. On va y aller. On va voir. Faut que je vois où j'en suis, en fait. Attends. Ah oui, ah mais celle-ci, ah oui, ça je l'avais fait. L'ordinateur portable du CDC, ça je l'avais fait, j'ai juste pas indiqué. Ajouter un repère, fait. Voilà. Donc on va aller là-bas. Vous savez quoi, on va aller par là-bas. Comme ça on fait la dernière tâche qui nous est proposée. Et comme ça on va pouvoir terminer proprement cette zone. Alors. Il y a un morceau de l'or ici. Je le prendrai plus tard. Ok. Il est mignon ce cimetière. Ah, un morceau de l'or encore. Le manoir Franklin. Tac. Les morceaux de l'or, ça, c'est pas obligatoire de les récupérer pour finir à 100% une zone au niveau des missions. Mais c'est bien parce que ça permet d'avoir du lore, quoi. Donc là, Johanna Trait. Ah. Donc là, j'ai réexploré. J'ai tout exploré de. J'ai tout exploré de la partie Summon Island. Ça c'est bien. J'ai exploré tous les coins. Ça c'est cool. Ok. Voyons voir où c'est que c'est. Ah, une tablette du CDC. Voyons voir. Connaître l'ennemi. Une tablette abandonnée indique Mavis Anderson, CDC, sa propriétaire n'est visible nulle part, mais peut-être que son contenu permettra de comprendre ce qui s'est passé ici. On va examiner la tablette. Voilà. Et là, alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça dit la phase 1? Les environs sont infestés d'acabes. Aussi, l'unité du CDC est-elle probablement là pour recueillir des échantillons et étudier ces créatures. Achever son travail pourrait s'avérer utile si certains chercheurs ont survécu. Okay. Là, on va récupérer les conteneurs du CDC. Voilà. Et requêter des échantillons de cocons à câble. Thank you.
Ah oui, il y a un morceau. Oh, bonjour joueur. Bonjour autre joueur. Ah, mince. On récupère le morceau de l'or. Et il faut un cocon. Voilà. Apporter tous les échantillons à la fourgonnette du CDC. Ah d'ailleurs, je vais juste hop, faire un petit clic droit, ajouter. Voilà, ça c'est fait. Sa fourgonnette là-bas, oui, tout à fait. Et regardons juste... on va se téléporter tout simplement. Hein. Tac, 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 tac. Malheureusement, ce que les gens ignorent peut quand même faire du mal, c'est même inéluctable, ils ne demandent que ça. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes toujours efforcés de nous interposer entre la société et l'obscurité. Il y en aura toujours pour refuser de nous laisser prendre les choses en main. Rappelez-vous que de l'inspecteur principal Shelley, qui est doté d'une ténacité rare, comme tous ceux qui ont vu quelque chose de si abominable qu'ils sont prêts à tout pour l'épargner aux autres. Il y avait un peu d'elle chez ces membres du CDC, mais ils étaient terriblement mal préparés au point. Au moins, les informations que vous avez réunies devraient pallier à ce problème à l'avenir. Et voilà. Donc là, ça c'est bien, j'ai accompli ceci. Détective de la côte sauvage, détective de la montagne bleue, détective de Skin Smooth. Donc c'est accompli toutes les missions d'investigation. Mais ça c'est bon. Ah mais attends, ça fait quand même partie de la... Ça fait pas partie de ça? C'est bizarre. Ah, ça c'est accomplir... Accomplir 5000 missions, t'imagines? C'est n'importe quoi. Ça c'est le truc, je pense jamais j'y arriverai. Donc visiteur, donc là j'ai accompli toutes les missions secondaires. Donc ça c'est top. C'est tip top même. Moi ce qui me perturbe c'est ça. De... 4, 6, 7, le fait qu'il y ait 7 missions action sabotage, alors, ou peut-être que il y a une autre personne ici autre que elle, mais je ne crois pas. On va essayer de visiter un peu le la zone. Voyons voir. C'est sympa quand même, hein, cette petite maisonnette. Voilà, donc elle, voilà, elle a 3 missions, ok, mais c'est-à-dire qu'il m'en manque 4 quelque part. Et ça, faut que je sache. Peut-être qu'elles apparaîtront plus tard avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas. C'était quoi ce son bizarre? Oh, encore monté à l'étage. Ah oh. C'est marrant, j'aime bien. Ça s'est récupéré. Ça me perturbe là par contre. Je ne comprends pas. Parce que s'il n'y a que elle, hein, je comprends pas où sont les autres missions de la montagne bleue alors. Salut, salut. Ouais, d'autant plus que je compte 3, mais en fait non, que 2, puisque la mission d'investigation, pas moyen de reposer en paix, ne fait pas partie... Donc, je sais pas pourquoi il se met encore... régional, Solomon, montagne bleue.
C'est bizarre. Attends, par contre, c'était quoi? C'était pas régional, c'était quoi? C'est pas exploration, légende, collection, combat, non, monstre, mission, pardon. C'est ça que je cherchais, mission. C'est quoi général? Accomplir mission narrative de Nouvelle-Angleterre, donc ça va être bientôt fait. Montagne bleue, voilà. Mission d'action. Ouais, pas moins de reposer en paix, elle est là. Et ensuite, c'est quoi les autres? Fantôme dans les ténèbres, dis-moi que tu hantes. Dis-moi que tu hantes, fantôme dans les ténèbres. Mais du coup, il y en a plein là que j'ai pas du tout. Où est-ce que ça peut être ces conneries? Parce que comme dit, ils indiquent tous les personnages avec qui tu peux interagir, donc je comprends pas trop le... Entrée d'Agartha. Ou alors, attends, j'ai une théorie. Là, concrètement, si vous voulez partir, vous pouvez. Hein, je sais juste de voir où sont les dernières missions. Mais concrètement, on va dire que le stream est plus ou moins fini. Enfin, il est fini. Parce que là, les Tartempions, j'ai parlé avec eux, j'ai fait les notes, ok. Ça, c'était bon. Ici, j'avais fait toutes les missions ici. C'est bien. Ok, top. En hauteur, il n'y a rien. Il n'y a que des monstres. Le vieux Joseph, j'ai fait sa mission à la con. Par contre, entrée, rêve de la guerre des ténèbres. Ah, ça, c'est un donjon. Donc, ce n'est pas... Je peux pas le... C'est ça, un donjon. Donc, je ne vais pas le faire. Ok, je ne sais pas, c'est pas grave, mais vous savez quoi, on va aller se téléporter là, parce que l'aube d'une nuit sans fin me demande d'accomplir les missions fantômes. Hey, salut toi, bonjour, ça va? Il y a une fumée de fou là, hop, on va se mettre ici, voilà, on va se mettre à proximité du coup de Eleanor Franklin, et on fera du coup... Alors c'est quoi? Faut accomplir la mission fantôme dans les ténèbres. Bah c'est celle-ci, hein. Après il y aura celle-là. Et après il y aura celle-là. Ok. Et on fera ça la semaine prochaine. Parfait. On va... Alors attendez. Je vais juste... Hop. Juste garder le jeu en focus uniquement, c'est mieux. Voilà. Et donc, on va s'arrêter là. Presse F5. Alors, on va. Voilà. Presse F5, donc, c'est le site. Notre site, Presse F5, le groupe avec lequel je stream. Et je vous invite ce soir à voir donc le stream de Coca, donc sur sa chaîne. Ouais, vous avez vu. Ah, ça marche bien, c'est cool. Donc vous avez la chaîne de Coca ici. Elle streamera ce soir à 20h. Elle fera du dating sim. Test de dating sim sur Switch ou PC. D'accord. Et moi, vous me retrouverez à 21h30 pour la suite de l'enquête sur Obradine. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. C'était très très sympa. Je ne raide pas parce que... Que ça ne vaut pas forcément le coup pour le coup. Bref. Et c'était vraiment très sympa. J'ai bien bien aimé. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus tard. Salut, salut!